Le monstre de la chasse normal, il y a le monstre poisson un peu chelou dans la boue. J'ai oublié son nom du coup, mais je sais que bah, je sais qu'après les fans s'en souviennent, hein, je pense. C'est pas un monstre le plus mémorable que j'ai vu. Ah, il y a des chauves-souris par ici déjà. Il y a moyen que ce soit ici, hein. Os de Wyvern, ouais. Mais en fait, je crois que ce qu'on cherche, c'est une Wyvern. Ouais. On a du minerai, ouais. Alors, bon, je vais regarder ma map, en fait, pour savoir dans quelle direction je voulais commencer à chercher. Terreur dans le désert des termites. Là, je cherche pas le barreau, justement. Alors, on a le monstre d'eau ici. Donc, on a notre machin ici. Donc, ça doit être plutôt par devant, là. On va chercher d'abord par là. On va chercher des traces. On est en pleine chasse. C'est pas vraiment le mode exploration libre, mais c'est un peu pareil, hein. Enfin, c'est un peu le principe de cette vidéo-là qu'on est en train de faire. On cherche des traces du monstre en fait que jusqu'à maintenant. Non. Oh, on peut aller sous l'eau. Mais c'est génial ce jeu. Il y a plein de petits trucs qu'on découvre comme ça en fouillant. Par contre, c'est un monstre chauve-souris. Putain, il était dans la caverne ou... ouais, il est par là, le monstre dont je vous parlais, le monstre haut dans la boue. Je vais pas aller l'attaquer, il m'intéresse pas plus que ça. D'ailleurs, avant qu'il soit activé, je vais... Bon, si, je vais vous le montrer un peu vite fait parce que je sais pas si vous l'avez eu dans les autres vidéos, en fait... Les vidéos, quand on a commencé à découvrir le jeu, je vais l'attaquer juste pour voilà que vous ayez le nom et tout en tête. Le Gyratodus, monstre que évolution un peu des monstres marins. Après, le Gyratodus, oh, c'est pas mon kiff, hein. Là, je l'ai choqué, je l'ai ouais, je l'ai provoqué, on va dire, juste pour vous le montrer. Je vais pas vous montrer ces patterns parce que c'est pas intéressant. Je vous invite à voir mes autres vidéos là-dessus d'ailleurs. Et apparemment dans la caverne, moi je venais pas de par là, ok. Enfin, je venais de par là, mais du coup dans la caverne on peut monter. Et ça m'a l'air d'être plus propice à trouver un monstre chauve-souris. Tout en faisant attention de ne pas tomber sur notre ami le Diablos. Alors, hop, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça tout de suite! Bon, merde, c'est juste des fruits. Ah, c'est dommage. Comme je sais pas du tout dans quelle direction aller, hein, j'explore. Peut-être des trucs, hein. Cette caverne, elle a l'air de se dérouler sur plus de contenir plusieurs niveaux et ça a l'air intéressant en fait en soi. Ah merde, du coup je suis retourné à ma carcasse. Hein. Ah merde, du coup je vais remonter par là. Ça a l'air de trouver un bon petit truc aussi. Os de Wyvern, j'aimerais bien trouver du coup la Wyvern si c'est bien ça le nom du monstre. C'est un bon nom pour une chauve-souris. Enfin, pour un monstre volant, les wyverns sont censés être des dragons, enfin, une race de dragons, alors, je me souviens plus exactement laquelle. Dans le sens... Oh, passe. Putain, pourquoi je peux pas passer? C'est con? Même pour... attends, c'est parce que... Ok, c'est parce que j'avais dégainé mon arme, ok. Du coup, on se retrouve par là. Pas du tout ce qui m'intéresse. Là, on a notre ami le Barot qui ne m'intéresse pas. Je vais continuer par là. Je vais laisser ce Barot en paix. Évoluer paisiblement. Risque de retourner dans la grotte. Oh, c'est quoi ça? Ah ben, notre ami le Diablos. Ok, donc déjà, vous pouvez voir que sur la map, en fait, ils sont bien éparpillés. Ils sont bien... c'est assez équilibré en fait. Du coup, alors si lui il est là, lui il est là avec son entre là, c'est certes. Ah bah tiens, sur la map,
Là, on peut voir un petit truc qui a l'air un peu caché. Donc, je vais retourner dans la grotte. Je vais retourner dans la grotte. Ça a l'air d'être la destination en fait que je cherchais vraiment. Ouais. Si je passe par la droite, ok, je remonte la rivière après. Faudrait que je suive un peu la rivière. Ok. La cascade. Comment je monte? Faut que j'aille par là-bas. Ça a l'air d'être par là-bas. Moi, je suis pas vraiment la trace. Hein. Putain, je veux remonter là-bas, moi. Non, non, je veux pas aller par là où tu m'emmènes. What? Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ouais, non, non plus. Hein? Pas non plus aller par là. Allez, ouais. Alors là, c'est, ça se fait en mode automatique. Hein. Je nage pas vraiment. Alors, les sauve-souris. Alors, moi, j'avais dit qu'il fallait que je remonte un peu par là. Ouais. Ouais. Non. Noix frappe du dragon. Ok, Osef. Putain, il n'y a que des ressources ici. C'est relou, c'est saoulant ça. Putain, du coup, je vous ai déjà montré du coup trois des monstres présents sur cette map, mais je suis à peu près sûr que le monstre chauve-souris que je cherche, il est sur cette map-là. Du coup, on continue de chercher bah, dans ces dernières 20 minutes en fait de la bêta. Ces derniers, je pense que du coup, ça va se fermer sur moi une ou deux minutes avant la fin. Ce que j'ai lancé, il était 19, non, 39, quelque chose comme ça, mais le temps de choisir la mission, le camp, tout ça, relancer le stream. Bon, du coup, je l'ai pas trouvé. Putain, j'étais persuadé que par là, je l'aurais trouvé. Apparemment non, c'est juste du décor. Ouais, on a exploré par là comme on a pu. Alors, c'est quoi ça? Œuf de wyvern. Arraché, à rapporter. Apportez-le vite au camp. Arraché, Welf, non. Osef. Dame poison, dame poison. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait avoir l'air d'être du secret en fait? Le camp 1, c'est celui où on commence en général. Où est-ce qu'il pourrait y avoir encore des grottes? Parce que moi, bon, je pars sur le principe que c'est quand même un animal nocturne, hein, le monstre que l'on cherche. Là, vous voyez le Gyratorus. Et si j'étais passé vraiment bien devant le Diablos, je pense que je l'aurais aussi sur la map. Mais là, ce que je cherche, du coup. Putain, où est-ce qu'il est passé? Où est-ce que je vais le trouver? Putain, et du coup, en fait, quand on met start, quand on regarde la map, le jeu évolue toujours. Donc, faut faire gaffe. Je pense qu'il faudra faire gaffe à ça, en fait. Faudra pas regarder sa map en plein combat parce qu'en vrai, le jeu continue. Je pense que ça va être comme ça. Ok. Ici, on passe au camp. On passe dans un camp complètement random. Je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que. Si tu te perds, jette un coup d'œil à la carte. Ouais, non, non. On m'a dit de rapporter un œuf de wyvern. Si tu te perds, jette un coup d'œil à la Ok, carte. donc, du coup, c'est pas du tout à ce camp-là que je peux ramener ça, ok. Je pensais que je voulais vérifier qu'on puisse le ramener dans n'importe quel camp, mais en vérité, on ne peut pas. Alors, est-ce qu'on va trouver notre monstre chauve-souris? Je voudrais pas avoir utilisé une soluce, en fait. J'aimerais bien le découvrir par moi-même. Comme on a pu découvrir notre Rathalos en fait, notre nid de Rathalos, le deuxième nid du Rathalos plutôt. Alors je suis à peu près sûr que c'est pas là. Mais et on a un nouveau monstre. C'est pas vraiment un monstre, lui, bon c'est un petit truc de farm vite fait. Bon c'est juste un porcinet. Hein. Je pense qu'il va servir à faire du craft de bouffe. Tout simplement. En tout cas, bon. On a pu voir.
Je vais de nouveau manger. Moss Wine. Quelle maigre consolation. Ouais, non. Ah, ok. R3, ça me localise les monstres que j'ai vus déjà. Ouais, mais non, non. C'est toujours pas ce que je veux. Alors, 10 minutes pour explorer cette map. En tout cas, vous pouvez voir que le jeu est quand même de toute beauté, en fait. Voilà. Alors, je peux utiliser ma fronde. Reviens. Voilà, m'accrocher à lui. Et puis, taxi. Oh, c'est quoi ça? Justement, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Non? Merde, peut-être dû descendre. C'est quoi ça? C'est des ressources, ok. Oh, lui il m'emmène pas à un endroit où je voulais aller. Il m'emmène où par rapport à là où je voulais aller? Ouais, ok. Ouais, donc je vais aller vers lui, entre guillemets. On dirait qu'en fait, avec le temps qui se... Alors ça, c'est... Ouais, non. Ça ne ressemble pas les couilles. Avec le temps qui défile, en fait, le jeu a beaucoup plus tendance à vous indiquer, en fait, comme si vous étiez perdu, vous indiquer vraiment où il faut aller pour tuer le monstre de la quête en cours. Malheureusement, je ne cherche toujours pas à attaquer ce monstre-là. Ok. Ici, on a notre machin qui est passé par derrière. Ok, on va explorer son propre nid, hein. C'est cool, mais c'est toujours pas ce que je cherche. Putain, la boue, c'est chiant. Y a une cape spécialement pour la boue. Là, bon, je l'ai pas pris avec moi. Je l'ai pas prise avec moi. Je vais retourner dans la grotte. On va y passer nos dernières 10 minutes. Hello, darkness, my old friends. I'm glad to see you again. It's been a long time we not see. Enfin, bref. Du coup, on va essayer de trouver cette putain de chauve-souris. Putain, mais s'il est pas dans ce stage-là, il est pas trop dans l'autre non plus. Je me demande vraiment où est-ce qu'il a pu passer. Des œufs de wyverne. Ah, bah tiens, à ramener au camp. Mais par où? Non, là il me ramène. Ouais. Putain, où est-ce que je peux, par où je peux ramener l'œuf de wyverne au camp? Il est où le camp le plus proche? Ouais, non, c'est ça, c'est vers le fond. Bon, ben, je vais ramener l'œuf, hein. Putain, c'est con, je peux pas aller plus vite. R1. Ah, si, je peux quand même courir. Ça bouffe mon endurance, je suppose. J'avais pas l'impression. Ouais. Un œuf de wyvern à ramener, comment? Où est le Dican? Ouais. Parce que le camp, il n'est pas vraiment par là. Là, c'est la chute, la chute chelou. Ouais, non. Ça va pas me ramener au camp, ça. Est-ce que je peux la ramener à l'eau, l'œuf de Wyvern? Je suppose que non. Ok. Oh, c'est chiant ça, c'est relou. C'est dommage aussi. Là-haut, on a quelque chose où on peut s'accrocher. J'avoue que c'est une mécanique que j'utilise pas trop. On a beaucoup de pertes d'image alors qu'on a un bon débit. C'est étrange. Temps restant 5 minutes, malheureusement, on dirait que je vais perdre mes 5 minutes à... Ah. Chawaii un œuf de wyvern. Ah, quoi que. Voyons voir ce que ça donne si je le ramène l'œuf au camp. Alors, une fois que j'ai ramené l'œuf,
T'as dit quoi? Je peux me baisser avec l'œuf, ok. Pas d'intérêt. Si tu te perds, jette un coup d'œil à la Ok, carte. il s'est rien passé, j'ai perdu mon œuf. Et donc mon temps. Donc ces dernières 5 minutes de game, malheureusement, je les ai perdues à faire ça. La collecte de carcasses, ça me donne des œufs de wyvern. Ouais, ok, c'est cool. La mer insecte. Putain, j'aurais souhaité qu'il y ait une interaction pour plonger dans la chute au moins. Ouais. Vu que... ouais. On entend les petites chauves-souris, mais pas les grandes. Après le tweet, c'était peut-être une reprise de vidéo d'une démo, enfin d'une autre démo du jeu. Je sais qu'il y a eu de toute façon certains bons youtubeurs, gros youtubeurs qui ont été sélectionnés pour en fait voir plus du jeu que ce qu'il y a dans la démo déjà. Donc c'était peut-être même spoiler, puisque je sais que... Pardon. Je sais que Capcom aussi avait une politique justement d'anti-spoil entre guillemets. Il choisissait ses youtubeurs, mais quand même dans le sens où il choisissait un peu ce qu'il diffusait entre guillemets. Les images qu'ils avaient le droit de choisir. L'image qu'ils avaient le droit d'utiliser. Voilà. Ça s'est raté. On esquive. Il y a une grosse bouse là. Capsule de bouse. T'envoyer de la bouse dans le... De la bouse dans le nez. Tu vas puer, tu pues déjà. Ah, c'est désagréable, hein? Tu pues, c'est désagréable de puer, hein? Va te laver, Manon. Je m'en vais t'oxyre. Dans le cas contraire, partie détruite. Ah, tu as mal à la patte, hein? Oups. Et je vais prendre de l'aide. Et que fais-tu? Ok, il appelle à l'aide. Ok, lui c'est la tête qui donne et les jambes qui donnent le blanc, la tête qui donne le rouge, et voilà, et toutes les autres parties donnent du jaune. Ok, c'est cool. Ok, c'est parti. Si en plus... le font tomber, c'est cool. Lui, ses parties sensibles sont juste en dessous de la tête, au niveau du cou. On va profiter du boost. On va voir si en moins de 5 minutes, j'arrive à... Putain, par contre, je rate tout mon combo là, forcément. C'est pas ouf, hein. Voilà. Non, mais retourne-toi. Voilà. Il ne se passe rien. Cette attaque est très inefficace. Voilà. Voilà, prends cher. Voilà, tu prends cher, hein. En tout cas, je vous montre un bon petit combat un peu en mode entre guillemets serious business, hein. Je suis pas non plus The Pro Master quoi que ce soit là. Ok, on est parti pour une belle nuée de coups. Voilà, un bon petit coup bien lourd. Voilà. Alors ma lame n'est pas super aiguisée, mais on s'en fout. On est déjà là. Temps est parti écoulé. Et voilà ce qui conclut cette partie et cette démo. Qui va se terminer, je pense, sur ces images. Puisque le temps qui me restait, c'était à peu près ça. Hein. Je pense pas pouvoir me reconnecter. En tout cas, vous savez, quand le jeu sort, vous pouvez le précommander.
Ben moi, c'est sûr, je vais l'acheter. On sera là en fait pour jouer avec les poteaux. On va pas le précommander. Moi, je pense que je vais le prendre en physique. Ça m'intéresse beaucoup et je vais peut-être même prendre une édition collector. Pourquoi pas, on peut se faire plaisir. Non, mais en tout cas, franchement, kiffant le jeu. Là, je fais genre, je vais voir. Impossible de jouer à la bêta, ok. Bon, ben voilà. Voilà ce qui conclut en fait notre preview de notre série de vidéos de test et preview du Monster Hunter World. Et qui conclut aussi une belle série de vidéos. J'espère que vous avez apprécié, franchement. Alors, que dire du jeu? Alors, de ma propre expérience, c'est tout ce que je peux vous donner, mon expérience à moi. C'est-à-dire que. Déjà en multi, c'est fun. La question qu'on se pose tous là, parce que c'est ce qui pose problème en fait niveau jeu, c'est qu'on a tendance à s'ennuyer au bout d'un moment. Est-ce qu'on va s'ennuyer dans celui-là? Non. Enfin, oui et non. En fait, le mode solo va être intéressant en mode ben, tout seul. Il va être intéressant jusqu'au bout, je pense. Après, ça va être le mode multi qui va devoir prendre le relais. Et ça, justement, c'est ça qui est bien avec le chat vocal et si on se fait des amis, on fait des connaissances rapides et tout. Il y a moyen de faire des trucs vraiment amusants. Après, j'espère qu'ils vont ajouter quand même un autre style de mode de jeu. Genre un mode très difficile, hardcore, mais à 6. Ou même quelque chose d'autre encore. Si le mode à 4, un mode un peu 1v1v1v1. Pas juste pour s'affronter, mais juste genre des défis de quête, genre à qui va tuer certains monstres assez vite, voilà. En fait, ce serait aux récompenses et tout. Et franchement, en tout cas, là, on vient de penser à des trucs qui pourraient rajouter plus tard. En tout cas, des monstres, rien que des maps en DLC, puisqu'apparemment c'est par map, ça c'est possible. Je sais que le jeu au final il sera beaucoup plus complet, il y aura du craft, il y aura un peu de tout, il y aura des chasses beaucoup plus épiques encore, je pense encore plus d'interactions comme celles qu'on a eues sur le Rathalos, franchement ça c'est kiffant. Qu'est-ce qu'il pourrait rajouter? Le jeu est déjà, il a sa fluidité, il a son propre rythme. Après, niveau difficulté, j'espère que ça va aller qu'en progressant. Justement, quoi, qu'il y aura de quoi se tirer les cheveux. Et regarder que je pourrais tirer ces cheveux-là carrément. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Franchement, on pourrait dire que Capcom a fait une belle opération sur ce jeu. Monster Hunter, cette licence, là, ils l'ont. Enfin, là, franchement, le public européen, je vois pas pourquoi il serait pas conquis. Certes, il y a toujours tout ce qui a fait le bonheur du public japonais. Le public japonais qui est un public qui aime beaucoup tout ce qui est farming, même si c'est chiant, ils aiment. Qui aime beaucoup le côté bouffe dans les jeux. Franchement, c'est eux, c'est chez eux. Ils aiment la cuisine, entre guillemets. Enfin, la cuisine dans les jeux, ils kiffent. J'ai pas. Pff, si, bon. Ils aiment aussi les boobs et animés, donc ouais, je pense qu'il y a de quoi faire pour eux. Rule numéro 34, ouais, et puis on va essayer de faire un peu court, de pas faire durer. Mais en gros, franchement, il y a de quoi faire. Kiffant? Kiffant le jeu, kiffant, kiffant. Franchement, je pense que je vais passer de bonnes heures là-dessus. Des critiques négatives. Bon, niveau graphique. Ça aurait pu être encore mieux, franchement, pour un jeu qui sort du coup en 2018. Après, faut voir sur la PS4 Pro. Là, je suis sur PS4 normal, 1080p. En tout cas, c'est fluide. Il n'y a pas eu d'énormes ralentissements. Moi, non, il n'y a pas de ralentissement. En ligne, le serveur a l'air de tenir nickel. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de connexion quand ce sera le vrai jeu, du coup, puisque là, c'était nickel. Là, sur cette bêta, on a pu voir aussi un écosystème riche, franchement. Il y a de quoi et chasser. Les monstres, ils sont vraiment variés, en fait. Même si on a toujours des types communs, en fait, où tu dis ce monstre-là, c'est ce style de monstre-là. Mais non, en fait, franchement, même dans cette démo, il y a eu des surprises. Il y a eu de quoi surprendre. Et puis, franchement...
Là, je peux dire qu'une seule chose, wait and see, mais ce qu'on verra, ce qu'on va voir dans dans ce jeu, ce Monster Hunter, je pense que ça peut être que du bon. Une question que j'avais vue tourner un peu sur les forums, c'était ça ou Dragon Ball Z? Dragon Ball Z, c'est maximum 2, j'ai envie de dire. Là, si vous avez plus que 2 amis, vous pouvez jouer à 4, hein. Voilà, vous pouvez jouer à plus que 2. Là, tu as de longues heures de jeu, Dragon Ball Z. Ça va être un jeu un peu plus axé compétitif. Ça va être fun au début, Dragon Ball, mais c'est un jeu que je sens qui va arriver déferler sur la chaîne e-sport, sur la scène e-sport des jeux de combat. Monster Hunter, c'est le jeu de salon, le jeu détente kiffant, et en même temps le jeu farm intensif. Je sais pas comment ils vont faire des événements Monster Hunter pour que le jeu soit, comment dire, plus exposé médiatiquement, mais après, c'est vrai que c'est pas le style de jeu. En fait, là, le but, c'est pas de faire une exposition médiatique. Là, ils font un max de pub là maintenant. Et franchement, le jeu, il va vivre tout seul. Il va être kiffant longtemps. Il a une bonne durée de vie. Franchement, la durée de vie, je sens qu'elle va être monstre. Même si les chasses, là, dans la bêta, c'est quand même allé vite. Le niveau de difficulté de la bêta n'était pas super super élevé, sauf les petits monstres épiques qui n'étaient pas prévus dans les chasses. Et en fait, c'est ça qui était kiffant. C'est ça qui était encore plus kiffant en fait. Qu'ils ne se sont pas juste contentés de mettre trois monstres et puis débrouillez-vous, il n'y a rien d'autre à faire. Déjà, on sent que le jeu est complet. Et puis, franchement, je dis à bientôt pour ce Monster Hunter, hein. N'hésitez pas, je ne peux que vous le conseiller, je ne vais pas l'acheter à votre place, c'est clair. Je ne peux pas vous dire achetez, vous ne serez pas déçu, mais je ne peux que vous le conseiller de mon avis personnel. Et puis, à bientôt encore pour... N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour des prochaines vidéos. On va tester beaucoup d'autres jeux, on va toujours faire beaucoup de League of Legends, hein. Et puis après, bon, il va y avoir les fêtes de Noël, donc va y avoir des interruptions. Ce sera pas forcément régulier, mais en tout cas, il y aura de quoi faire, il y aura de quoi kiffer sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à revoir les vidéos de Monster Hunter. Je les upload aussi sur YouTube. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je m'arrête là, ciao.